Voilà, ça y est, on vient juste de partir. Il est 10h45, on avait rendez-vous à 7h du matin pour voir. Bon bah c'est let's go pour la retraite des jeunes 2018. Voilà, voilà, numéro 1, mercredi 1er novembre. C'est parti. Seigneur, son nom c'est Jésus. M'abandonne jamais, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans le soir, le soir. Plus haut nous t'élevons, plus haut Jésus nous t'élevons, plus haut Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie à qui on nous chantons Jésus. Alléluia. Attends, on va faire comme ça. Je vais mettre comme ça, après je vais me retourner. Hey guys! Mais regardez ce qu'il a fait, vas-y. Comment tu filmes? Vas-y. Bonjour à tous, je suis content de vous faire part de mon avis et de mes impressions par rapport à ce grand événement qui est la conférence, non pas la conférence, la retraite des jeunes 2018. 2018, on a dit que c'était l'année de la différence, l'année de la nouvelle version. Et voici, nous sommes là, tous réunis d'un seul cœur, tous des jeunes, fervents pour Christ, et on attend des grandes choses de la part du Saint-Esprit. Comme on a déjà prié ce matin, on croit que Dieu va faire des grandes choses. En tout cas, je vous laisse vous connecter jusqu'à la fin de ce programme, et vous allez voir comment le Saint-Esprit va changer des vies. Personnellement, moi, je m'attends à beaucoup de choses de la part de Dieu, et je vais vous en faire part juste après l'avoir vu. Que Dieu vous bénisse. Oh,
se dirige vers nos chambres. Oui, ça va. Non, dans ce cas-ci, ce que Dieu a me donné, il me donnera le nom de Jésus et il n'y a pas de... Tu sais, la famille, donc là on est vendredi, hier on est bien arrivé. Voilà, Agnès va prendre le vlog, ce sera dans le bêtisier. Alors on est bien arrivé, on a eu des petites galères et tout, mais voilà. Après on a eu une mini veillée jusqu'à... C'était jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 1h30, un truc comme ça. Après le temps de dormir, il était 2h. On devait aller à la prière à 4h30 du matin. Bien sûr, on a esquivé. On était trop fatigués. On s'est réveillé à 5h. Donc voilà. Donc là, on va au petit déj. Il est 8h. On est trop fatigués. Franchement, c'est compliqué. Sinon, on est dans un beau cadre. Je vais vous montrer. Donc là, c'est notre mobilhome là-bas. Donc voilà, c'est des petits mobilos, mais on est quatre dans le nôtre. Donc voilà. C'est beau, c'est vraiment dommage qu'il fasse froid parce qu'on ne peut pas profiter du cadre. Mais donc voilà, c'est un peu compliqué, la froideur. Je suis sortie en claquette chaussette. Voilà. Là, on fait la queue pour le petit déj. Ouais, ouais. Des frites. Ouais, mais moi aussi je voulais des frites, mais bon. Donc là c'est petit déj brunch façon. En fait, il faut que j'apprenne leur pas là. Parce que... Fais chaud! Hein? Quoi? Voilà, alors là, on va à l'atelier, 1h tard, après avoir bien dansé. Par contre, l'endroit, il est vraiment beau. On est 4. Il y en a 3. Il y a plein de bagues à l'eau. Genre 100 et quelques. 130, 140. Donc voilà, moi je suis en retard à la prière, atelier là. Donc je me dépêche. Je fais service. Thank you.
Samedi, dernier jour. Demain départ. Il fait tellement froid. En fait, on est dans des mobilhomes où dès que tu déclenches des radiateurs, ça fait sauter les plombs de tout le monde. Donc, on souffre. N'est-ce pas, on souffre. Pas de lumière. N'est-ce pas, Agnès? Agnès, elle est sur Facebook, elle nous a oublié. Agnès, on est en retraite. Hein. Facebook, c'est... Agnès! On est en retraite, oh! C'est quoi ça? C'est un réseau social. C'est Facebook. C'est peut-être capable, je dis la parole. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, c'est Facebook. Envie aux autres jeunes d'aimer Jésus. Soyons capables. Elle est sur Facebook. Il y a Sarah qui s'en va aujourd'hui. Sarah, tu vas nous manquer. Tu nous as pas donné ton numéro en plus. Oui. Comme ça, nous aussi, on va venir en Belgique. On va aller à Liège une fois. En plus, on a overflow ce samedi.
assaut maintenant qu'on est fraîche, on peut faire des vraies vidéos. Alors, comment s'est passée la retraite? C'est bien. Esther, la retraite, c'était comment? Il faut parler plus fort, hein. Il n'y a pas le micro. Ah ouais, mais on a tous perdu nos voix, wesh. On est tous en train de muer, c'est comment? C'est comment? Ah, fallait la voix. Mais hey, vous avez passé sur ma chaîne YouTube, quelle grâce. Hey, j'ai eu 2000 followers il y a deux jours. 2000. En plus, c'était mon anniversaire en Christ. Eh oui, le Seigneur est fidèle. Alléluia. Pourquoi t'as pas... Ma best en Christ. Ça y est, là, on est dans le bus, on rentre pour le troisième capitule. Ça fait glorieux, on n'a plus de voix, on ne sait pas trop si c'est parce qu'on a trop crié ou on a eu froid. Pourquoi on a plus de voix? Un peu des deux. Trop crié, eu froid. Voilà, le Saint-Esprit était là, c'est le plus important. Alléluia. Elle dort déjà. Si t'aimes trop dormir, c'est grave quand même. C'est un truc de ouf. Ouais. Elle dort même quand on est en train de faire du n'importe quoi à côté. C'est grave. Cuissarde. Cuissarde, cuissarde, team cuissarde. On sait pas pourquoi on s'est pas accordé, mais on s'est tous mis en mode cuissarde aujourd'hui. Cuissarde plate, cuissarde mi-talon, cuissarde talonnée. On est parti, vous pouvez voir, hein, c'était vraiment les villages, vraiment la forêt partout. On était à Couture à Angers.